le monde, c'est Anthony ici, de le restaurant 29 à Dikirch. Je suis le gérant et le chef cuisinier de le restaurant 29. Je suis cuisinier depuis presque 20 ans. J'ai commencé depuis que j'étais petit garçon, comment dire. On a choisi dans les temps un peu difficiles de la pandémie, mais on a bien choisi la place pour ouvrir notre activité, notre commerce. Et maintenant, on va faire pour vous, je vais préparer une assiette traditionnelle typique de la cuisine italienne du sud de l'Italie, de chez moi. Moi, je viens de tour de Napoli, donc on va préparer avec vous quelque chose d'extrêmement simple, mais extrêmement, absolument bon. On va commencer avec des paqueries faisant maison. Et de la vongole verace italiana, de la mule, tomates cerises jaunes et rouges, les bras de poulpe, poivre noir, du sel et de l'ail. Huile d'olive, bien sûr. On va mettre de l'ail et on le laisse devenir un peu blonde. Et on va le lever, on ne risque pas de le brûler. On va prendre notre tomate cerise pour faire le fond. On va ajouter déjà un petit peu de vin blanc. On va commencer à couper le poulpe, pas trop fin, pas trop épaisse, quelque chose comme vous voulez, mais on va le couper. Et on le laisse avec les tomates cerises. Ça, nous, on a besoin pour faire aussi la décoration. On va ajouter du persil. On va ajouter la vongola verace. On va ajouter le mille. Et pendant que la conquillage va s'ouvrir, on peut lever notre pâte. Je rappelle, paquerie faisant la maison. C'est une assiette traditionnelle aussi de les dimanches. Ça me donne beaucoup de mémoire, me rappelle toujours ma jeunesse à la maison. On va gratter le zeste de citron pour donner un peu de frais. L'assiette est prête. Bon appétit à tout le monde et merci.